Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Donc là il s'agit de la vidéo des coloriages du mois de mai. Il y a 25 coloriages dont beaucoup de livres variés. Donc je vais vous dire ça au fur et à mesure et c'est parti, on y va. Attends, on va vous mettre un peu plus de lumière. Donc j'ai fait mis ce mandala tout en jaune aux aquamarqueurs de chez Action. Ensuite j'ai commencé mon livre Tale from the Forest Kingdom de Anna Carson. J'ai fait un duo avec Cheval qui est en train de créer le stream de Taz. Donc j'ai fait ce colo là. Je crois que je dois le faire. Je devais le faire. Enfin, je l'ai pas masqué. Attends, c'est Cheval. En gros, ouais, je crois que je vais le voir. Non. Un cheval sur un stage, le réseau crayon couleur décota, mais un crayon de couleur crayon d'eau noir de chez crayon d'eau Lidl. Donc je remercie le cheval pour son duo que j'ai qu'elle a pu enfin entamer son livre. Ensuite, dans le Fairy Touch Rock Magic de Clara Markova, j'avais fait un duo avec Nudineko. Je me suis mis à la page. Alors, je l'ai fait en duo avec Nudineko sur Instagram. Je l'ai réalisé au crayon couleur Décotam Action et pastel sec orange pour le fond. Allez voir sa version sur Instagram. Donc, je remercie Nudineko pour ce duo. J'espère qu'on en fera d'autres. Celui-là. Alors pour le hashtag colorion, le soulmate de Camille Coloriage, je crois que j'avais fait, attendez que je prépare, pour le mois dernier, la page 26 et la page 27. Donc du coup c'était cette magicienne. C'est moi de quel coloriage. La page 26, je l'ai réalisé au crayon couleur artiste quality, Polka blanc et pour le fond, c'est sec bleu. Alors, pour la page à côté, je l'ai réalisé au crayon couleur Broadfunner et pour le fond, c'est du pastel sec vert. Là vous reverrez celui parce que j'en ai fait un autre dedans pendant celle de juin. Bon, je vous dis les colos dans l'ordre que je les ai fait. Donc c'est 66 sur Instagram. Je crois que c'était la page. Oh là là, j'ai. C'était quelle page le mois dernier? Attendez que je regarde sur Instagram. Alors, mois de mai. Ça, c'est juin.
58. Donc, on a fait pour le mois dernier la page 58. Donc, il s'agit de Stitch dans le grand classique tome 1. Choisi au crayon de couleur. Non. Ça, c'était pour le mois dernier. Hein. Le collage en duo avec Chris 66 sur Instagram. Je suis bien dans le moment là ou pas là où j'ai qui non. Je vais avancer au maximum. On passe 58 sur Instagram, donc celui-là j'ai fait au feutre à quoi marqueur et crayon couleur crayon d'eau, celui-là. Vous le reverrez aussi celui-là dans la vidéo des colos terminés du mois de juin, je vais aussi. Ensuite, dans celui-là, alors, Pumpy, avec Pumpy Fantasy, on avait, ouais, j'avais fait ce colo-là, mais j'avais pas pensé. Mois de mai, on a fait. Bon, je vais m'en rendre. Page 17. Bon. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On avait fait cette illustration le mois dernier, dans le mois de mai. Je l'ai réalisé avec un couleur brotonneur et pour le fond, c'est du pastel sec jaune. Donc, c'est cette illustration qu'on a fait le mois dernier. Là, vous le verrez aussi dans les vidéos des couleurs terminées du mois de juin. Dans mon bestiaire, j'ai fait la page 75. La page 75, donc j'ai réalisé ce colo là. J'ai réalisé au feutre noir à quoi marqueur de chez Action et du pastel sec orange pour le moine mis dans mon livre. Celui-là, vous le verrez aussi. Arzen, ouais, ça. Dans le Arzen, j'ai fait la page 41. Donc, j'ai fait ce mandala que j'ai réalisé aux aquamarqueurs de chez Action. Celui-là, vous le reverrez aussi dans une autre vidéo. Dans ma colo terminée du mois de juin, pardon, 2022. Alors, pour le défi de Créacolor qui était le mois dernier, le défi des dinosaures, j'avais fait cette double page que j'ai réalisée au crayon de couleur, crayon de Staedtler, comté à Paris, crayon d'ancien, et pour faire des ailes. Un fond galaxie donc voilà. Alors si vous le verrez dans cette vidéo parce que j'en ai fait d'autres, colorage mandala au feutre à marque. Oui, c'est celui-là où je vous l'avais fait voir tout à l'heure. Donc, alors, j'ai participé au challenge Hiccup Backup. Vraiment, j'ai adoré ce challenge.
ça m'a fait m'a appris beaucoup de choses. Donc, pour le challenge du pack ou pack up, on va commencer par les thèmes de Madame Lorraine Coloriage. Donc, je vous présente cette petite carte. Attendez que je la mets. Donc, thème. Nada. Ciel étoilé, carte postale à jardin, je l'ai réalisé au crayon couleur polychromose, Staedtler, et pour le fond, pastel sec bleu. Voilà la deuxième petite carte, c'est pour le challenge. Deuxième, mur de briques de la princesse Aurore, je l'ai réalisé au crayon couleur Artist Quality, Déco Time, polychromose et Staedtler. Ensuite, challenge du pack ou pack up, thème 1, fruits ou légumes. Là, on va s'attaquer à celui de Audrey. Donc, j'ai fait cette pomme que j'ai repas 64 que j'ai réalisé au crayon couleur Broadfener. Pour le challenge du pack ou pack up numéro 2, une scène sur laquelle la nature est à l'honneur. Alors, c'est pas 63-64. Voilà. Laquelle la nature est nanana. Je l'ai réalisé avec une couleur Broadfener et pour le fond. Nuage au pastel sec bleu plus pochoir nuage. Voyez les nuages qui sont juste là. Pour le challenge, un colorage avec beaucoup de fleurs dans les quatre. Ah oui. Donc du coup celui-là, hop. On va retourner dans mon 4 saisons de Ritam. J'ai fait ce colo-là que j'ai réalisé avec des crayons couleur Broadfener. Pour le challenge, du cap ou backup, thème un fond marin avec une créature animale ou une créature marine dans le livre de coloriage Fragile au Verbe. Alors. C'est la page 49. Donc il s'agit de ce requin baleine que j'ai réalisé au crayon de couleur Broadfener et pour le fond du Derwent Intense. Pour le challenge du pack ou pack up, surface de l'eau. Surface de l'eau. C'est pas vraiment secret ça. Surface. Oui, ok. Hop. On retombe dans le monde secret de Carmorosan. Non. Page 20. Surface de l'eau. Page 26. 26. Voilà celui-là. Celui-là, j'ai fait. Vas-y, au crayon de couleur Broadfener. Pour le challenge du pack ou pack up, numéro 3, goutte d'eau, double page 29-30. Alors, 29-30. Donc, il s'agit de cette double page qui est très belle parce que j'ai appris à faire des. Oh, ça peut bien faire rigoler et en même temps ça me bien amusé. Ça m'a donc donne j'ai réalisé au crayon couleur Broadfener. Voilà. Duo sauvage j'ai présenté pour un duo avec Albator. Tiens, bandé. Oh.
On va retourner dans mon Discord. Il y a un petit duo là. Pardon, ça y est, je fais mes crocs. J'ai fait ce deal-là pour le dire avec Albator sur sur le Discord secret. Page 10 dans le fragile bord de Carrie Rosin. Je l'ai réalisé au crayon couleur Décota, mais un crayon noir de chez Crayon de Lidl. Mauvais qui rigole. Animaux printanières, lapin ou poussin. Lapin ou poussin. Page 35-36. Hop là. Dernier. Je commence à être flippée de dingo. Alors, je vais réaliser au crayon couleur crayon de Lidl et pas de sac bleu. Donc, voilà la double poche qui me prenait un temps pas possible, mais au moins elle est contente. Je suis contente. Alors, après, pour le challenge du pack ou pas cap, le thème numéro 2, animaux de la forêt, biche ou renard ou hérisson. Alors, celui-là. On le fait plus. Pas de problème. Le voilà. 53-54. Alors, je vous explique un peu ce qui m'est arrivé à mon tour. Bon, c'est pas à cause du sang de cette personne, n'est-ce pas? Je suis partie en vacances pendant 15 jours et j'ai, avant de partir en vacances, j'ai un petit peu perdu l'inspiration. Voilà. Donc, du coup, c'est un petit peu grâce aux vacances que j'ai pu relever une certaine inspiration. Bref. Alors, je l'ai réalisé au crayon de couleur Décota Maxion et un crayon de couleur noire chez Crayon de Lidl. Je voulais pas faire un renard style classique, tout ça. Je voulais sortir un petit peu de ma zone de confort. Je vais juste sortir un petit peu des classiques et des traditionnels. Donc j'ai fait un renard rouge et noir, donc je suis plutôt contente de ce colo parce que celui-là. Tac. Ah, j'ai participé aussi au défi de Lamiana. Sur Twitch et sur YouTube, qui nous avait demandé de faire un coloriage c'est noir, blanc et gris. Donc sur le thème numéro 3 aussi pour le pour le challenge du pack ou pack 4, thème numéro 3 papillon volant ou insecte. Donc j'ai réussi pour le défi de la Miana, j'ai réalisé au crayon couleur un crayon de Lidl et fond du métallique ou watercolor paint peach de chez Action. Donc, voilà. Voilà. Donc, on se retrouve. À tout de suite.